Salut à tous, c'est Kishnifu, et allez, c'est parti, sans plus attendre, on continue. On va continuer ma partie, donc là c'est la troisième vidéo sur ce jeu de Ape Escape. Un jeu de, je rappelle, de 99, si je me trompe pas, et sur lequel je m'éclate en 2013. Si c'est pas énorme ça, franchement. Alors toujours avec les pourcentages que je comprends rien du tout. Alors charger, oui. Aujourd'hui, ça va être assez intéressant, je pense, parce que, en fait, j'ai fait deux mondes. Le premier monde était simple, le deuxième, beaucoup moins déjà. Et alors là, on va arriver à un troisième monde, où je sais vraiment pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va pas être facile. Bon, faut juste que je me refamiliarise un petit peu avec les touches. Ça doit faire quoi, aller. Ça fait 3-4 jours que j'y ai pas touché. C'est bon, ça revient vite généralement, ce genre de choses. Ah oui, cette course là où j'ai mis, je sais. Ah oui, ça a été bien compliqué ça. Et... Ah ouais, on peut... D'accord, ok. Et là, on peut pas voir les niveaux d'après normalement, non? Bon, non mais je pense qu'il doit y avoir 3 niveaux par zone, hein, comme d'habitude. Et là par contre, ouais, ça risque d'être déjà difficile. Si la difficulté monte crescendo comme entre le premier et le deuxième monde. Et surtout, ben, je pense pas que je vais pouvoir faire les 3 mondes dans une seule vidéo. Hein. Spike, un nouveau gadget est prêt. Allez, un autre gadget, c'est parti. C'est un cerceau magique. Fais-le tourner pour courir plus vite. Je te les envoie. Et scellez dans ta zone d'entraînement. Finis cette phase, sinon tu ne pourras pas passer au niveau suivant. Bonne chance. Ah oui, mais je connais celui-là. Et je m'en souviens bien d'ailleurs. C'était pas mon préféré, non. Il me semble qu'il y en a un autre, il est bleu. C'est un truc qu'on tient à la main. Mais lui, il me semble que je l'aimais beaucoup. Enfin, on va voir, je sais qu'on le fait tourner, après on peut aller vite, je sais plus. Transforme le cerceau en bouclier magique en faisant tourner le joystick droit. Avec le bouclier magique, tu peux courir vite et rentrer dans les ennemis. Pour créer le bouclier magique, fais tourner le joystick droit rapidement. Ouais, non, mais moi, ça doit être un autre auquel je pense. Parce que celui auquel je pense, il peut nous faire planer. Donc, on verra. Vas-y, essaye. Oui, alors là, je fais tourner. Je fais du Hollywood. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Ouais, si, je me souviens bien de ça. Et donc, du coup, voilà, une fois que je l'ai fait tourner, après... Oh, dis donc, il dure longtemps. Si je me cogne... Ouais, il s'arrête, je crois, hein, dès qu'on... Ouais, voilà. Ah, mais ça va, il dure longtemps, dis donc. Yes. Ah, ça va, j'aime bien. C'est... Il fait partie de l'un de mes gadgets préférés. Alors, marche sur l'interrupteur pour ouvrir la porte. Enfin, même si je me souviens pas de tous les gadgets. Hein. Si tu t'en éloignes, la porte s'enferme. Oui, à mon avis, je vais devoir foncer grâce au... Active le sasso magique et cours. Est-ce que je peux l'activer quand je suis... Quand je bouge pas? Ouais, je pense, oui. Et cours avant que la porte ne se referme. Ok, marche à l'interrupteur, active le sasso magique. Je parie que tu sais quand... Oui, non mais... Il répète souvent les mêmes choses quand même, c'est assez... Oui, je sais. Allez, laisse-moi faire. Ah oui, d'accord, je peux l'activer. Oh, c'est parfait. Ah, c'est bon, ça va. Putain, j'aurais presque même pu y aller. Ah bah non, faut attendre qu'elle soit bien haute. Allez, go! Allez, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est bon, oui, bravo, tu fais tourner ce cerceau comme un vrai pro. Et ouais, attends, qu'est-ce que tu crois? Tu peux aussi le faire tourner quand tu cours. Oui, bien évidemment. Et n'oublie pas d'aller configurer ton nouveau gadget à l'écran. Oui, je le ferai. Je vais te dire un secret. Tu peux aussi aller dans la sélection des gadgets avec la touche Select. Ah oui! Merci, tu vois, ça c'est utile. Ça c'est très utile. Bon, et eh ben on va voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir foncer dans les singes là. L'océan, ça veut dire de l'eau. Ouais, je sais, bravo Kishnifu. Mais ça veut surtout dire des phases dans l'eau, des phases difficiles, un gameplay un peu moins évident que sur la Terre, des bébêtes qui vont venir nous attaquer, nous électrocuter, nous manger.
Je suis pas très... Oh, quoi qu'il y a du soleil et du sable, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Bon, alors, 5, c'est ça? Allez, c'est parti pour 5... Comment on appelle ça? Pour 5 singes. Alors là, faut que je le configure et à la place... Ouais, je vais enlever... Je vais enlever le filet. Non, je rigole. Ouais, je vais enlever... Bah, je vais mettre le... Ça soit, je vais enlever le radar. Parce que le radar... je sais pas trop si ça sert à grand-chose. Enfin bon. Oui, allez, oui, start. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Tac. Essaye de pousser le joystick gauche quand tu sautes. Tu atterriras fort et feras un contre... Ah, oui. C'est ce que je cherchais dans la précédente vidéo. Ouais, mais non. Attends. Si je fais ça... Hein? Ah, le gauche! Ah, oui, d'accord. Ah, bah ça, je me souvenais plus, ça, tiens. Bon, est-ce que je me souviens de ce niveau? Pour moi, ça me dit rien. Et, derrière ces petits airs, comme ça, il a l'air simple, hein. Après tout, on est sur une... Sur une pla... Oh, ça, je peux pas les avoir, hein. Oulala, ça rame, là, non? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont affichées à l'écran, ça rame un peu. Et ça, je peux pas les tuer? Ah si. Ah d'accord. Mais avec le cerceau, c'est moins évident alors. Ah ouais, si. Ouais, c'est juste qu'il est retourné et là, faut l'attaquer, ouais. Quand il y a le cerceau, c'est pas pareil. Bon alors d'abord, on va les exterminer. Et là, le singe... oui, oh merde, il m'a vu. C'est bon, tu m'as pas vu en fait. Enfin, comment on fait ça déjà, le lance-pierre? Allez, reste là. Bouge pas, mon petit. Bouge pas. Oh oui! Putain, mais... Des fois, je m'impressionne. Oh là 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 là. Eh, il y avait l'arbre devant moi et je l'ai eu quand même. Putain. Alors, faut juste que... Ah mais oui, j'avais appuyé sur... Attends, c'est comment déjà pour... C'est comment pour... Ah oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, j'avais dû appuyer sur le joystick parce que j'ai envoyé un truc explosif. Heureusement, je l'ai mis dans le mille. Bon, alors lui, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller comme ça. Je disais que je le faisais jamais, mais finalement, ça me vient comme ça, l'idée. Allez, hop! Bah, lui, apparemment, c'était pas un singe qui repérait de loin. Parce qu'il y en a, oui... Oh, putain, mais il y en a encore un, là! Mais c'est que c'est bon, ça! Du calme, du calme, du calme. Calme-toi! Allez! Voilà! Par contre, lui, il me fait un peu plus peur. J'ai l'impression que... Ça va pas être de la tarte. Attention. Oui! Eh ben, déjà 3? Bon, je vais pas m'avancer trop vite, on sait jamais, mais j'ai presque envie de dire que... Hein, finalement, ce sera peut-être... Oh, mais il y en a un autre là! Mais lui, il était un peu plus compliqué, non? On va voir ça tout de suite. Peut-être qu'il fallait simplement réussir à le voir. Ouais, oh, c'est bon. Ouais. C'est quoi ces niveaux, là? Et là... Ouais. Ah, il y a des trucs à récupérer, quand même. Bon, bah, on va y aller, parce que, bon, moi, je suis pas contre une vie, hein. Si je peux en avoir. Tiens, bah, d'ailleurs, j'en ai 95. Donc, on va éviter de se noyer, hein, quand même. Merde, alors, oui. Ah, bah, oui. Comme je l'avais dit, ça, j'imaginais bien. La maniabilité, c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai que je peux faire un double saut. J'avais complètement zappé, ça aussi. Allez. Voilà, bah c'est bon. Bah j'ai eu ma vie. C'est tout ce qui m'importait. Voilà, bon, après, fouiller les niveaux. Est-ce qu'il y a réellement des trucs à fouiller spéciaux? Si, pour la tête à spectre. Mais bon, ça, c'est plus des choses annexes que je voudrais faire hors vidéo ou tout à la fin, si je décide de continuer pour bien le fouiller de fond en comble. Mais bon, on verra bien. Là, c'est juste au moins finir le jeu. C'est mon objectif principal. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est quelque chose que... c'est pas que ça m'a frustré toute ma vie, j'y ai pensé. Non, non, mais c'est juste que, voilà, c'est un jeu où j'étais arrivé loin, mais j'avais jamais vu la fin, et donc ça m'intrigue quand même. Voilà, alors, si tu captures le nombre de singes indiqués sur la lampe, la porte s'ouvrira. Ouais, bah, c'est déjà fait. Allez, go. Ouais, donc du coup, pour le moment, mon cerceau, là, il me sert un petit peu à rien, hein. Peut-être que si, je peux un peu mieux foncer sur les singes, du coup, mais bon. Pour le moment, j'en ai pas trop l'utilité. Oh merde, il m'a touché ou pas, non? Ah non. Oh, un gros truc de 5, c'est bien ça.
Bon, ça va, ils ont pas l'air bien méchants. Oh putain, alors là, je crois que... Ah bah oui. Ah bah voilà. Là, il va me servir. Si j'avais pas eu cette illumination, je me serais fait avoir. Voilà. Oh punaise. Putain, j'ai cru qu'il allait me toucher, lui, mais non. Ils sont inoffensifs ou quoi? Eh ben, le dernier singe, il est là-bas. Allez. On va y aller. Qu'est-ce que je dois faire, là? Ah, d'accord. Il appuie. Je me prépare. Allez, c'est bon, bah parfait. Tiens, dans ta gueule. Et tiens, non mais attends. Mais comment je joue, là? Bon, c'était pas très compliqué, mais... Je crois que j'ai pas raté un seul coup de filet. Hein. Je suis maître des filets. Putain, magnifique. Mais là, j'ai rien à dire. J'ai juste à admirer mon talent. Et elle me dit juste pas mal. C'est nul. Oh là. Ouais, toi, t'es une difficile. Toi, t'es une difficile. Enfin, bref. Alors, allez, vas-y. Fais m'enchaîner avec le deuxième niveau, là. Je suis chaud, là. Allez. On va même pas sauvegarder. On est des fous. Quoique... Quoique si je perds toutes mes vies dans le niveau... Ah oui, en plus, il est tout dans l'eau, là. Bon, je vais revoir mes plans, je crois. Retour à la station temps. Ouais, je vais revoir mes plans parce que j'aime pas du tout ça. Je crois qu'il faut pas trop que je me laisse pousser des ailes parce que sinon, moi, je m'envole beaucoup trop haut et je me les fais cramer par le soleil. Ouais, je sais, c'était joliment dit, mais bon, je crois que c'est trop connu pour que ce soit apprécié maintenant. Bon, je commence à dire n'importe quoi. Alors, sauvegarder. Ouais. Bah, j'ai pas mis charger, j'ai bien mis sauvegarder. Hein, parce que ça, c'est des trucs qui arrivent parfois. Oui, continuer la partie. Oui, je veux bien la continuer. Retour. Et alors, on va enchaîner avec le deuxième niveau. Parce que là, ça fait combien? 12 minutes! Ça fait juste 12 petites minutes et j'ai déjà fini le premier niveau. Donc ça va. On va voir. Hein. On va voir. Et puis comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, dans la précédente, si jamais bah, on finit vite, on a du temps, que ça fait pas tout à fait une heure, eh ben, on va faire le petit mini-jeu que j'ai débloqué la dernière fois. On pourra faire ça avec les pièces de Specter. 5, parfait. Putain, c'est vrai que dans le 2, des fois, il y en avait même 8. On a dû en choper 8. Les niveaux, ils étaient assez grands. Oh putain, requin marteau! Aïe aïe aïe, ouais ouais ouais. Ah ça, j'ai l'impression que ça... Ça commence à se compliquer là. Alors. Bon, on va pas trop se faire chier, hein. On va utiliser le moyen le plus simple. Quoique. Alors la caméra, comment ils ont dit qu'on pouvait déjà. Ah oui, comme ça là. J'hésite. Est-ce que je peux la voir le. On va essayer. Alors, comme ça... Non, c'est comment déjà pour viser? Ah, c'est comment pour viser? Là, voilà. Est-ce que je peux avoir le singe ou le requin? Ah merde, je suis en train de lancer des... Ah! Putain. J'ai l'impression que ça fait rien, ou alors je les loupe. C'est-à-dire que c'est pas évident aussi, hein. Est-ce que je suis trop loin? Approchez-vous. Ouais. Je sais pas, je vise comme une merde, mais en même temps... Ouais, j'ai pas l'impression que ça fasse bien grand-chose. Peut-être qu'il faut... Peut-être qu'il faudra un futur gadget. Donc, on va pas se faire chier pour le moment. J'espère qu'il va pas venir jusqu'ici. Hop. Et on va continuer notre petit bout de chemin tranquillement. Et là, j'ai bien l'impression... que les singes vont se faire beaucoup plus rares. Ce que je devrais faire là plutôt, c'est éviter de les tuer. Parce que si jamais je me fais attaquer, ça fait quoi ça? Au moins j'aurai des ennemis pour me restaurer mon. Merde, mais je dis que je dois... Ouais, bon, c'est bon, il m'a pas donné de biscuits, mais. Les biscuits. Ça, je me laisse des ennemis. Ouais, alors là, à mon avis, j'aurais dû me dépêcher. Et je vais devoir utiliser le cerceau. Alors, donc, tac, on prend le cerceau et c'est parti. Oh, putain, j'ai pas la caméra. Allez, allez, allez. Allez, allez, encore. Vas-y, vas-y mon coco. On saute et c'est parfait. Tiens, toi, je t'attrape.
Comme ça, là. D'un coup, hein. Non, moi je fais pas dans la dentelle, moi. Ça y est, j'arrive, je le vois, je l'attrape, il a pas le temps de courir. Mais attendez, mais est-ce qu'on peut voir les états? Ouais, état, mais on peut pas voir le. Ah si, c'était avec le radar qu'on peut voir comment un peu leur niveau. Ah ouais. Mais là, j'ai bien l'impression que je vais devoir aller dans l'eau là, parce que j'ai aucun autre chemin. Ouais, et si je veux descendre sans me faire de mal, là, je fais quoi? Ça me fait planer, ça, un peu? Non, même pas? Non, bon. Bon. Tant pis. Il n'y a pas d'autre chemin, là, hein? Si. Non, j'en ai pas l'impression. On sait bien, comme ça, je peux aller plus vite. Et là, de ce côté... Non, il n'y a rien, hein? Oh! Il n'y a pas d'autre chemin, c'est dans l'eau qu'il faut aller? Il n'y a pas un... Oh, merde! Oh, putain de con, là! Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Allez, grouille. Non mais il n'y a pas d'autre chemin là, sérieux? Allez, mais va sous l'eau. Putain, il y a une entrée là. J'ai l'impression que je me crois dans Tomb Raider. Ah mais d'accord. Ça c'est une porte qui s'ouvre en fonction du nombre de singes attrapés. Allez vite là. Ah, c'est bon, d'accord, ça me met dans une autre zone. Ouh! Mais non, en fait, c'était quoi? Ah, j'ai cru que c'est pas des trucs qui bougent quand on a attrapé le nombre de... Ah, merde! De singes qui est dessus, enfin, bref, je sais pas. On va bien voir, on va continuer le chemin. Mais ouais, ça m'intrigue, cette ouverture sous l'eau, quand même. Tac, ça, j'en avais bien besoin. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? À mon avis, le premier niveau, c'était juste pour nous faire croire... Aïe! Oh, l'enculé! Attends, j'arrive, mon coco! Comment j'arrive? Oulala, oulala! Oulala! Et comment j'y vais, là-bas? Tu fais chier, toi? Attends. Là, à mon avis, il faut visualiser. Il doit y avoir des énigmes, il doit y avoir des mécanismes à... Bon, eux, je suis obligé de les tuer parce que sinon... Ah, des munitions, c'est bien ça. Voilà. C'est bon, j'ai toute ma vie. Alors, cette plaque, elle sert à quoi? À rien. Bah oui, à rien. Est-ce que je peux y accéder? Oh, ouais, mais non, je peux rien faire de là. Ah, si! Ah, la caméra, en plus, se place bien comme il faut. Voilà. Hop là. Et toi, je te chope. Tranquille. Voilà. Et y en a pas en dessous là? Ah ah, si. Mais là j'ai bien peur de me faire mal. Putain, avec la tête de Spectre en couleur et tout, cette classe. Là, ce que j'aurais envie de faire, c'est de sauter et faire ça là. Tac. Ouais. Mais alors là, il va falloir que je vise comme un pro. Attention. Ouais, ben... Pour viser, c'est pas l'éclat. Ah oui, si. Peut-être avec les bugs, là, c'est pas mal. Bon. Écoutez, on va y aller. Hein? Je vais pas se poser de questions. Et c'est parti. Merde. Ah, chiotte! Non, tombe pas dans l'eau! Ah, merde. Oh, la pièce de Spectre. Ça, je prends. Allez! Voilà. Vite, remonte. Ouh lolo, et ça va vite, hein. Et attends, je peux peut-être monter par là, non? Maintenant, ça glisse. Ah non. Je sais. Attends, mais... Il me repousse automatiquement ou quoi? Je peux pas le... Est-ce que ce serait bel et bien... Ah, merde! Est-ce que ce serait bel et bien par le haut qu'il faudrait... l'attaquer? Allez, mais... Ah oui, c'est comme ça! D'accord. Ouais, c'est une sorte de mini-boss, quoi. Mais... J'ai pas une allonge assez grande. Oh, mais putain, mais vas-y, quoi! Ah, là, il tire, bon, il... Allez, mais putain, il reglisse! Wouhou, c'est l'éclate! Allez, tiens, voilà! Voilà, bon, bah, je vais retomber dans l'eau, histoire de... Voilà, qui tire dans le vide, un peu. Allez, tire!
Voilà. Hop. Putain, il est jamais mort, quoi. En fait, non, je peux rester là, quoi. Bon, maintenant. On va être stratégique un peu. Comme ça. Oh là 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 là. Bon, tout de suite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans les commentaires et vous marquez Kishnifu, t'es un dieu. Voilà. Vous mettez ça tout de suite. Parce que là, je crois qu'il y a aucun autre mot, là. C'est, voilà. Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'adore me vanter, c'est tellement bien. Bon, et maintenant, si je veux remonter, est-ce que je peux faire un... Si, là, un simple double saut, ça marche. Allez, accroche-toi. Accroche, allez. Voilà. En plus, je vais pouvoir récupérer un peu de vie. C'est parfait, j'ai toute ma vie. C'est génial. Bah ouais, c'est bien, ça. Ouais, bonne architecture de niveau. J'aime bien. Avec les sortes de singes avec des canons et tout. Ouais, ça rajoute de la difficulté. Ça fait genre des petits mini-boss. C'est pas que de simples petits singes qu'on poursuit et qu'on attaque. Lui, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai compris, les singes en pantalon rouge sont de forts attaquants. Méfie-toi. D'accord. Oui, enfin bon, celui qui était là, je l'ai capturé tranquille. Hein. Alors, ouais. Mais encore. Ah! Est-ce que je dois utiliser mon lance-pierre, hein? Maybe. Ah oui. Ah oui, oui. Bon, bah oui, à mon avis, ça doit être ça. Donc. Tac. Mais pas toi! Oh là là! Non, 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 relève, relève, relève. Comment je fais, là, du coup? Parce qu'il y a le machin devant, là. Peut-être là, ça va marcher. Bien. Merde, là. Et là, ça m'a fait quoi, en fait? Qu'est-ce que ça m'a fait? Aïe. Aïe, ça fait mal. Il est passé où? Ah, à mon avis, je peux grimper. Il doit y avoir une ouverture là-haut. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Vas-y, tourne. Mais qu'est-ce qu'il fait? On le voit à travers, d'accord. Bon. Alors là, il y a des petites bestioles toutes moches, là. Alors, redonne-moi mon cookie que j'ai perdu. Et il y a un singe là. Oh, putain! Oh, enfoiré! Tiens! Et tiens, ta gueule! Ah, ça va, ils sont gentils quand même, hein, parce que j'avais visé un petit peu à côté, je l'ai quand même vu. Bon, et ben plus qu'un. Et j'ai l'impression que je le vois, non? Il est pas là-bas? Ah non, non, merde, c'est une boîte aux lettres. Mais attends, mais c'est de là d'où on vient, non? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ouais, de l'eau, d'accord. Où est-ce qu'on est, là? Est-ce que c'est une autre salle? Non, non, c'est pas... C'est... Si, si, c'est une autre... Enfin, c'est une autre salle, ça, non? Ouais, si, si. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Tu sais quoi? Non, je sais pas quoi. J'ai découvert quelque chose. La couleur du pantalon d'un singe indique ses capacités. Ouais, ouais, ok. D'après les résultats de mes expériences, les singes en jaune sont des singes normaux. Ok, les rouges, c'est des attaquants. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Ouais, les bleus, ça doit être... peut-être des... Je sais plus. Des singes qui vont... Qui vont te détecter rapidement, peut-être. Et après, je sais pas ce qu'il peut y avoir. Des verts. Mais... Je vois pas ce que ce serait, ça, par contre. Parce qu'attends, il y avait attaquants, ceux qui nous repèrent, et ceux qui fuient vite. Ah ouais. Eh ben, ça doit être des verts, sûrement. Parce qu'après... Ah, une titi... Une titi... Une titilisation de la... Du cerceau, non? Si, si, ça m'en a bien l'air. Quoique... Ouais, allez, si, quand même. On va faire les cons. Tac. Oh, mais je peux pas m'arrêter après! Mais je peux pas m'arrêter! Attends, attends, attends. Ouh là là, ça faut que je sache. Ah ouais, si. Aïe, mais... Putain. Ah ouais, donc c'est-à-dire que là, là, tout va bien. Et dès que t'avances, rien ne va plus. Et t'es obligé de te mettre contre un mur. Oh, il est là. Bah tiens. Voilà. Tu m'as pas vu. Je faisais le con à côté de lui. Ni lui, ni moi nous étions vus. Et non, non, bah, l'autre, il est en train de faire, je sais pas, des bacs à sable, là.
Oh là là. Bon, voilà. Ok. Ouais, mais bonne architecture de niveau, c'est vrai qu'ils sont jamais pareils, il y a du dénivelé. Enfin, je parle pour l'époque, hein, parce que c'est vrai que maintenant, c'est facile de faire des niveaux grands, avec des dénivelés et tout, mais là, je veux dire, ça pourrait être un niveau plat, alors que non, non, on rentre carrément dans les grottes, on grimpe des trucs, on passe sous l'eau, etc. Non, c'est... Non, c'est bien, hein. C'est pour ça que ça en fait un jeu que, même aujourd'hui, ben... Les graphismes sont pas dégueulasses, donc ça se refait bien. Ça se refait vachement bien. Alors, allez, sauvegarder. Et puis, bon, bah, on va entamer le dernier niveau, hein, parce que, bon, je pense pas que... Que 25 minutes, hein. Ça va, j'avance vite aujourd'hui, dis donc. Bon, arrêtons de prévoir. On verra bien. Parce que moi, j'ai tendance à beaucoup trop toujours tout prévoir. Mais il faut que je fasse au feeling. Parce qu'I've got the feeling. Puis bon, il y a le petit jeu aussi qu'il faut qu'on fasse. Hop. Genre, on va voir, parce que bon, troisième niveau, déjà que celui-là, il était un petit peu corsé. Puis après, peut-être que... Ouh, c'est quoi ça? Île de Dexter, carrément. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'on va l'affronter une première fois? Peut-être. Et après, il y aura peut-être sûrement aussi un autre niveau avec le... une course à pied un peu comme celui-ci. Voilà. Enfin bon, on va voir. C'est parti. Île de Dexter, carrément. Carrément, carrément. Combien là? Allez, je dis 6, pronostic. Oh, 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 putain. Mais que je suis bon. Bon, on va voir ça. Un boss, non, pas de musique, ça me fait peur. Un dragon. Enfin, une tête de dragon. Un dragon, ouais, ça ressemble à un dragon. Alors là, il n'y a pas de musique. C'est flippant. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Quelle découverte formidable, Spike! Nous avons trouvé une créature totalement inconnue. Je l'ai appelée Dexter. Ah, mais attends! Mais merde, attends, c'est île de Dexter, c'est ça? J'ai... Oh putain, dans ma tête, c'était île de Specter, non? Attends. Si, c'est île de Dexter qu'on a vu, hein? Oh ouais, non, merde, trop con. Oh, ça se ressemble, c'est une excuse. Qu'en penses-tu? Je pense que ça lui va très bien. Eh ben, écoute, oui, si tu veux. Aïe! Et c'est Dexter qui a décidé qu'il n'y avait pas de musique? Du coup, redonne-moi mon... T'as même pas ce radin. Bon, avant d'aller voir Dexter, on va... Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre, là. Ah, on va aller là-bas. Oh, putain, lui, il me repère de loin, lui. Lui, il me repère de loin. Bah, je sais pas, j'ai pas vu son short. Bleu. Donc, c'est peut-être ça, en fait. C'était bleu. Allez, là, mais... Ah, mais il y a du courant, en fait. Ah, mais je peux pas y aller, il y a du courant. Non? Ah, merde. Ah, ça c'est archi con, ça, par contre. Oh, ah, chiotte. Ah oui, il a l'air d'avoir du courant, oui, parce que j'ai beaucoup plus vite dans un sens que dans l'autre. Je vais tenter un truc, mais je crois pas, là. Est-ce qu'on peut marcher sur l'eau? Ah, bah non, hein, bien sûr. Ah, c'est pas Sonic, hein, il peut pas courir sur l'eau. Bon, tant pis. À mon avis, il va falloir, bah, je sais pas... Soit j'aurai un gadget qui me... Ah oui, peut-être un gadget qui pourra me permettre... Mais non, puisque dans l'eau, il n'y a que ce gadget-là. Ou peut-être un bateau qui apparaîtra plus tard. Ou peut-être lui, en fait, carrément, qui va faire... je sais pas comment. Aïe! Putain, mais salaud. Merde, merde, merde. Putain, il y en a deux, carrément. Et Cookie. Tiens! Allez, hey, donne-moi ça. Ah, pas de cookies, tant pis. Et ça, c'est quoi, ça? Bon, on va voir Dexter, parce que je vois qu'il s'impatiente. Tu veux rien. Oula, 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 oula. Je peux entrer dans ta bouche? Ah ouais, carrément. D'accord, bon. D'accord, et on va ressortir par... Ouais, je préfère pas savoir. Alors... Oula, bah ça y est, là il y a de la zik. Il a investi dans une sono le Dexter là, à l'intérieur de lui. Ah, mais oui, en fait, d'accord, j'ai compris, c'est lui. En fait, il avait bouffé le. Il avait bouffé le poste qui permettait de faire de la musique dans le niveau. Ben oui, c'est ça. Bon, alors il y a des eaux, il y a du liquide vert.
suc gastrique. Ok, c'est bon. Heureusement, je peux m'accrocher, mais bon. Ça a pas l'air bien épais. Oh putain, non! Oh, ça va, c'est assez stable. Qu'est-ce qu'il vole là-bas? C'est quoi ces machins? Il est sophistiqué, lui, dans son ventre, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Aïe! Oh. Oh putain, non, j'ai fait tourner mon machin pourtant. Oh, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est bien, t'arrives toujours dans un endroit, tu sais jamais ce qui se passe là, c'est toujours différent. Ouf. Par contre, je vois pas de singe là, ça m'inquiète. Oh, c'est quoi ça? Oh, une vie! Putain, carrément! Oh bah tant mieux, hein. je vais pas râler. Hein. Alors je crois qu'il y a une entrée là-bas. Et là il y a ça. Et à mon avis, il va falloir utiliser ça. On va essayer de monter au plus haut. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, mais pourquoi? En fait je peux pas monter. C'est quoi le délire? Bah si. Que je m'étais pêlé, à mon avis il a pas dû aimer. Oh là là, je vais jusqu'où là? Ah. Oh là 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 là. Oh mais c'est qu'il y a du vide après. Oh. Bon, on va faire Taïo. Ah ben. Oh non! Le double saut. Ah non, c'est pas du vide. Ah. Ah, attends, mais oui, parce que il y a le clipping de l'époque. Le fait qu'on voie pas l'eau. À une certaine distance, et bah oui. Mais c'est juste que j'avais complètement zappé en fait que le double saut, il faut vraiment le faire quand on est au plus haut dans le saut. Parce qu'après, là, dès qu'on redescend, si je rappuie, et bah ça marche pas. Il faut le faire quand on est au plus haut du saut. Et j'ai bien l'impression que ça allait passer. Hein. C'était peut-être qu'une impression. Et ça me ferait bien chier si c'était que ça. Bon, c'était pas fait avoir. Ouh, lui, il est passé près. Attends. Deux secondes, calme. Puis je veux surtout y aller parce que j'ai vu un singe et ça m'intéresse. C'est parti. Allez. Oh oui, oh là 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 là. Magnifique. Alors toi, allez doucement. On va espérer que tu vas pas me repérer. Oh, tu m'as repéré, mais je t'ai eu. Il y en a combien? 1, 2, 3, 6. Ah oui, 6, c'est moi qui avais deviné. Et là, pourquoi il y a une corniche? C'est parce qu'il y a de l'eau en dessous. Et qu'on peut y aller de manière safe. Bon! Et ben, ça en fait qu'un, hein, mine de rien. Ça en fait qu'un. Je vais aller là-bas. Parce que je sais pas du tout ce que ça cache, et à mon avis, il va y avoir un singe, évidemment. On peut y accéder par là, je suppose. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, bah non. C'était une feinte. Ah! Faut ramper. Putain, c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? Je me vois même pas. Mais non, c'est pas ça. Attends, est-ce qu'il y a un gadget qui va nous permettre d'être lilliputien ou quoi? Attends, mais je vois bien une entrée là. Et je me disais que peut-être en faisant ça, ça allait marcher. Mais en fait, non. En fait, là, je me vois pas. Ah, là, c'est mieux, là. Là, c'est tout de suite mieux, là. Mais si, tu passes la tête. Tu devrais passer, normalement, là. Regarde, tu passes la tête. Tout passe. Putain, on peut pas. Bon. Bah, je sais pas. Il n'y a pas une entrée sur le côté, dans l'eau. Il me fait de la peine, il a l'air tout penaud. Bon. Bah tant pis. En fait, il y a plein d'entrées, il y a plein de... Ah, en voilà un là. Alors, comment on va l'approcher, lui? On va lui envoyer ça dans la tête. Tac. Merde, allez. Oh mince. Faut que je refasse. Ah mais oui, ça lui fait rien. On va prendre. Ouais, il a une arme. Donc, à mon avis, il ne doit pas me repérer de bien loin.
Ça, c'est un singe qui attaque. Donc à mon avis, on va pouvoir l'avoir comme ça, attention. Hop ! Yes ! Encore une fois, ça a été gentil quand même. Bon, là, je pense qu'on peut faire Mumuse. C'est ça ? Oh, putain, d'accord ! Énorme ! Et si j'utilise le cerceau ? Oh, ça fait rien. C'est sympa, ouais, ça... D'accord, ça permet d'accélérer. Ah, c'est sympa. Enfin bon, ça sert à rien, hein, mais... Mais c'est sympa. Petite interaction de décor pour l'époque. Hein, c'est toujours ça. Ah, je vois un truc intéressant, là. Allez, viens là, mon piti. Viens là, mon piti. Eh bien. Ah bon, après, les autres trucs autour, hein. On va pas s'amuser. On va les prendre, parce que bon, sinon, on est encore là pour 2 heures, hein. Alors bon, on va continuer. Let's go, là on en a combien? On en a 2. Ouais, c'est con l'autre qui était... Qui était dans une espèce de cage, là, c'est bizarre. Variation de couleur intéressante quand même, hein. Mais bon, enfin, c'est pas mal, hein. Moi je crache pas... Enfin, souvent j'entends les gens cracher contre des couleurs parfois vives et tout, ils disent ah ça c'est vif, mais moi ça, c'est le genre de truc justement qui me dérange pas du tout et j'adore les couleurs bien vives qui pètent à la gueule. Heureusement que je suis pas épileptique d'ailleurs. Alors, d'après le scanner, le corps de Dexter est un vrai labyrinthe, ne te perds pas. Bon, ben c'est rassurant. Alors c'est parti, petite phase à la Mario, il manquerait plus que la musique. Et je connais pas trop, donc je vais éviter. Mais Oh, il y en a... Ah oui, il peut y en avoir 2. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a un nombre limité. Ah, et toujours ces machins qui clignotent. Qui veut bien dire qu'il faut un gadget. Ou alors... On va essayer ça, c'est pas grave. On va bousiller une munition. Bon, bah non, ça passe carrément à travers. Au moins, maintenant, on en a le cœur net. Un truc qu'on zappe sous l'eau, non? Une entrée secrète, non. Bon. Eh ben c'est parti, on continue. Oh putain! Putain, je l'avais pas vu venir, lui! Oh! J'ai foutu un coup, là. Oulala, qu'est-ce que c'est, ça, là-haut? Qu'est-ce que c'est, ça, là-haut? Un œil qui pendouille? Bon, du coup, j'aimerais bien récupérer un peu de biscuit. On peut faire un saut mural, non. Est-ce que je peux me raccrocher au mur à partir d'ici? Non plus. Donc il va falloir monter par là. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça me fait peur, ça. Ouh là là, carrément avec une vue. Ouh là là! Pas content, lui, hein. Tiens! Oh, aïe aïe aïe! Oh, il m'a pas eu, alors là, j'ai eu de la chance. Et si j'utilise ça, plutôt? Pas mal ça, ouais, mais bon, après je peux plus me diriger donc génial. Mais bon, au moins c'est efficace. Aïe. Ah bah non, tiens, ah bah voilà, ça y est, c'est fini. Là, ça va m'ouvrir une porte, non? Ouais, voilà, ça va pouvoir me faire remonter. Oula, je sens qu'on va être éjecté par. Ah non, c'est bon, ah en fait, c'est une plaque, ok, bien, bien, bien. Et là, on a... Oh, des cookies! Oh, 2 en plus, plus qu'il me faut! C'est gentil! En fait, ça veut dire qu'ils avaient tout prévu, qu'on allait se faire toucher, qu'on était des gros branlots. C'est ça que ça veut dire en fait, hein? Merci! Alors, les balles de ton lance-pierre ne sont pas très puissantes, mais elles suffisent pour faire tomber les singes. Ils sont sur un terrain glissant. Ah, d'accord. Ah, donc on va arriver à un endroit où les singes sont sur un endroit glissant. Et où il va falloir. Merde! Oh putain, j'étais bloqué par un mur invisible. Donc. Oh, il y en a 2. Ah, ça c'est bien ça. Donc. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Ah, ok. En fait, je vais devoir les attaquer. Ils vont tomber automatiquement. Oulala! Ils m'attaquent. Bah oui, sinon ce serait beaucoup trop facile. On va essayer d'avoir ces machins avant. Oh bah! Ah oui, d'accord, en fait c'est bon. Et ils remontent pas, j'espère. Ça, faut que j'essaie de l'avoir. Yes! À toi. Ah!
Dommage. Ah. Et là, c'est la bonne. Putain. En fait, faut vraiment que j'attende encore plus. Ah, un peu moins. Là. Toi. Bim. Allez, c'est bon. De toute façon, vous pouvez pas remonter. Donc, vous êtes pris au piège, mes cocos. Oh putain. Oh, il m'attaque. Aïe. Putain, il monte. Ah, j'ai pas pu l'avoir. Ah, il remonte comme ça. Aïe. Est-ce que je peux les avoir de là? J'ai pas l'impression. Ah, dommage. Oh putain, il y en a là. Oh, vite, viens là, toi. Ah, il m'a encore attaqué. Mais j'ai l'impression que j'ai pas perdu de... Viens là, toi. J'ai l'impression que j'ai pas perdu de cookie. Oh putain, mais ce salaud. Et putain, il est remonté. Oh là là, ils sont... Eh, ils sont malins comme des singes. Tiens. Mais donc apparemment, quand ils attaquent, ils nous déboussolent, mais ils nous enlèvent pas forcément de... Merde. Non, ils nous enlèvent pas de la merde, ils nous enlèvent pas forcément de cookies. Bon, c'est bon, j'en ai eu un, c'est déjà bien. Maintenant, à ton tour. Est-ce que je peux t'avoir comme ça? Attention. Ah bah non, raté. Il était là. Tac. Allez, on y va vite. Et viens là. C'est bon, t'as bien fait ton toboggan. Maintenant, dans le filet. Eh bah, plus que deux. Et oui, le niveau dure bien plus longtemps, du coup. Ah, une titi, mais j'aime bien dire utititi aujourd'hui, hein. Utilisation. Et j'ai l'impression d'avoir entendu un autre singe, non? Un autre singe? Non, c'est dans la musique. Ouais, c'est dans la musique. Et là, attends, nous on vient de là. Il y a un chemin ici et un chemin là-bas. Bon, on va faire confiance à son instinct. Tac, ça c'est parfait. Oulala. Est-ce que j'ai bien fait de... Viens là, toi. Merde. Ah, oh, salopio. Putain, il y en a un autre ici. Non, reviens. Ouh, comme je l'ai eu. Ah, ça c'est bon, ça. Bon, eh, il m'en reste plus qu'un, c'est celui de là-haut. Donc écoutez, on va essayer de l'avoir comme ça. Il est où? Oh, il y en a un là. Oh, il est là. Oh putain, salaud. Tac. Allez, vite. Il est pas tombé? Ah si, il est là. Eh ben voilà. Enfin, je sais pas si c'était le même, mais bon. Yes! 43 minutes. Et bon, on va se faire un petit mini-jeu. Enfin, ah oui, tout dépend. Il peut peut-être y avoir autre chose entre-temps, là. Attention. Oui, je sais que ce que j'ai fait, c'est pas mal. Pas mal! 6 singes, c'est bien, ça. Ouais, bon niveau, là. Franchement, bon niveau. Je me disais, ah, l'intérieur d'une bête, oh, ça va être basique, ça va être classique. Mais non, pas du tout, c'était bien. Alors, je vais voir ce qu'il y a. Et si ça me paraît trop chaud, on va aller sauvegarder avant, quand même. Alors, ah ouais, on arrive tout de suite à l'ère glaciaire, donc un autre monde. Encore un truc que ben, je me souviens plus vraiment, même plus du tout, je dirais. Enfin, peut-être que quand je ferai le niveau, ça me rappellera. J'ai presque envie de le faire. Parce que je vois qu'il reste quand même plus d'un quart d'heure. Donc je vais sauvegarder et on va aller le faire. Ça va prendre de l'avance un peu. Enfin, prendre de l'avance. Il n'y a aucune avance à avoir, mais bon. C'est juste qu'après ça va se compliquer et tout. Et puis bah tant qu'on peut y aller, c'est parti. Et peut-être même qu'on aura le temps pour le mini-jeu. Parce que bon, là je veux bien faire le mini-jeu, mais on va pas faire le mini-jeu pendant un quart d'heure. Après on va vite tourner en rond, je pense, hein. 28%. Bon là ça, j'ai l'impression que ça commence à augmenter normalement les pourcents. Donc bon. Ah oui, c'était peut-être des 0, au début. Mais alors le 20 points, ça, c'est quoi au début? 20 points quelque chose. Je sais pas du tout. Alors. C'est parti pour du glagla. Nouveau gadget, ouais. Non? L'ère suivante est très proche. La Terre a traversé plusieurs périodes de froid comme celle-ci, appelées périodes glaciaires. Les gadgets te protégeront du froid.
mais fais très attention. Ouais, c'est d'ailleurs assez logique. En fait, on a eu l'ère un petit peu préhistorique avec le dragon, comme comment il s'appelle, Dexter là. Le dragon, enfin c'est un dinosaure, c'était pas un dragon. Avec Dexter, et puis après tout de suite on a l'ère glaciaire, donc en lien avec l'histoire, si vous connaissez un petit peu, hein, avec la météorite qui est tombée, les volcans qui sont en train d'éruption, les nuages qui ont assombri la Terre, empêché les rayons du soleil de passer, et une ère glaciaire qui s'est installée sur la Terre. Enfin ça c'est d'après les scientifiques, hein, mais bon, je sais pas pourquoi ça en serait autrement. Et donc oui, ça suit une certaine logique, ce qui est pas mal du coup. La mer de la période glaciaire est très froide, tu te ferais mal si tu tombes dans l'eau. Bah quoi, elle est pas gelée? Fais attention. Oh, mais je crois qu'elle était gelée, on allait pouvoir faire du slide et tout dessus. Ah mais non, parce qu'après sinon on aurait pu aller au loin et bien sûr, bah, ils voulaient pas mettre de mur invisible, donc bon. On va dire qu'on les comprend. Oui, merde, ça je viens de le lire, c'est bon. Ah oui, donc là, carrément, faut que je fasse gaffe de pas tomber. Bon bah là, ça va. Tac. Sympa la musique. J'aime bien. Bien adapté au décor. Alors, j'aime pas quand il y a plusieurs chemins, mais tant pis. Oh putain, un bonhomme de neige méchant. Oula, il lui fait combien de coups là? Ah, déjà un singe là-bas. Putain, il m'a vu déjà de là. Ah oui, jaune. Jaune, 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 jaune. Jaune. Oh bah tiens, bah voilà, l'autre qui vient tout seul vers moi. Ouais, le pantalon jaune, je sais plus. Bah c'est qui nous repère de loin, hein, je pense. Ah non, c'est normaux. Ils avaient dit singes normaux pour les jaunes. Enfin, un bonhomme de neige. Putain. Oh, foiré. T'as intérêt à me donner un biscuit. Ah putain, mais il a... Ah oui, d'accord, en fait, il fait des ondes de choc par terre. Bon, bah, il m'en a donné un, mais il m'en aurait fallu deux, du coup. Bon, j'ai rien loupé. C'est parti. Alors, en fait, faut l'enchaîner. Voilà. Viens là, toi. Il me semble... Ouh là là. Est-ce que c'est un pylône sur lequel... Oh, un mammouth. Wow, il est bien fait, en plus, dis donc. Ah ouais, pas mal. Putain, mais... Oh, je veux l'observer, mais je voulais pas l'observer de trop loin, mais bon. Ah ouais, pas mal. Bon, mais là, par contre... C'est quoi, ça? Est-ce qu'on peut ça... Ah, mais c'est bon, il y a un truc en dessous. Ah, oh, ça va. J'ai cru qu'il fallait... Voilà. Bon, on aurait pu faire ça carrément, sans qu'il y ait rien en dessous. Ça aurait été même plus dangereux, plus fun. Mais, est-ce qu'il y a quelque chose, là? Ah oui! Ah oui, bien! Il a un... Ah oui, ils ont des pulls pour... Peut-être de la même couleur que leurs shorts, du coup. C'est un peu plus facile de repérer que... de quel type ils sont. Mais, ah ouais, ouais, c'est marrant, ça. Bon, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oh, putain, non! Ça c'est pas bien, par contre. Est-ce que je vais... Putain, mais qu'est-ce qui... D'accord, en fait, donc dès qu'on atteint le haut, il retombe comme une merde. Donc, on va pas atteindre le haut. Hop. Oh là 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 là, je sens que ça va être galère, ça, pour remonter. Allez. Voilà. Bon, je pense pas qu'au mammouth, on puisse lui faire grand-chose, je sais pas. Pour essayer d'avoir le singe qui est sur lui. Ouais, j'ai l'impression que... Oulala, oulala, il est pas content là. Putain, il a fini de ses ondes de choc. Et je peux lui monter dessus, non? Non, même pas. Si, à mon avis, il faut que je profite du fait qu'il y ait plusieurs plans pour tenter de lui monter dessus. Parce que là, il est sur un plan bas, moi je suis sur un plan un peu plus haut. Mais là, ça va peut-être pas le faire. Est-ce que je peux monter sur ses défenses? Ah non, par contre, je peux me faire écraser, non? Ouais, on va attendre qu'il redescende ici. En attendant, on va aller se farcir le machin. Oh putain, j'ai pas. Dommage. Ouais, on glisse pas sur la neige, ça c'est bien. Bon, vas-y, là, descends mon gars. Puis si je peux pas, bah écoute, tant pis, j'attendrai d'avoir un autre gadget. Alors, ouais.
Allons-y. Merde. Merde. Allez. Oh. Ouais, non, laisse tomber. Bon, et ici, il y a quoi? Ouf, il a failli m'avoir. Putain, faut lui faut deux coups. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Attends, avec les bugs là, je sais pas si c'est un sol ou pas. C'est un sol? Parce que sinon j'aurais utilisé le cerceau pour prendre un peu de vitesse. Mais là, j'avoue que ça me fait un peu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sol ou c'est pas un sol? Attends, je vais essayer de t'en monter dessus. Mais... Oh, c'est chiant ça. Ouais, non. Bon. Ouais, là, je sais pas. Bon, on va aller là-bas plutôt. Je sais pas ce qu'il y avait, je me souviens plus. Ah oui. D'accord. Et ça, je peux pas le monter avec ça? Ah non, je peux pas. Oh. Pas globe ça. Bon. Eh ben, je crois qu'on va aller devoir tester le sol pas palpable. Calme-toi. Allez. Bon, on va tenter le coup. On va faire taillot. Ouf. Ah bah si, mais c'est du sol gelé, non? Non, même pas. Ou alors c'est du sol qui a pas été modélisé. Ou alors c'est censé être de la glace. Oula, alors là, à mon avis, il faut que j'utilise ça. Voilà. Et c'est tout. D'accord. D'accord, c'est bien. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Ah, c'est un... Ok, c'est bien, ça. Bon, je vais éviter de retaper dessus. Je reviendrai au cas où. Je sais pas s'il en donne d'autres. Bon, qu'est-ce que ça fait, ça? Ah, merde, merde, merde. Vas-y, redescends. Voilà. Hop. Oh putain, j'avais pas vu cette hélice. Allez, dépêche. Ah, j'ai entendu un singe. Parfait, en plus, je suis pile à l'endroit où il faut. Hop. Toi. Allez. On dirait que cette machine actionne l'hélice. Je crois que nous devrions détruire cet engin de malheur, d'accord. Tiens. Mais laisse-moi faire, putain. J'ai eu les deux en même temps. Allez là, vite. Hop, parce que les singes, ils peuvent aller de partout, après. On sait jamais où est-ce qu'ils peuvent aller, et après, pour aller les rechoper, c'est pas toujours évident. Là, est-ce que j'ai besoin du cerceau? On va dire non. Ah, ça va. On en a combien, là? D'accord, il m'en manque deux, il y en a un ici. Donc, bon. On va essayer d'aller choper par derrière. Est-ce qu'il y a une ouverture? Ah. Je crois qu'il m'a entendu. Je t'ai eu! Yes! Bon, plus qu'un. Plus qu'un, plus qu'un. Mon avis doit être là-haut. Ouh là là! Ah non, c'est bon. Ah d'accord, là on revient à l'endroit de tout à l'heure. Ok. Et il n'y a pas autre chose ici alors? Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Oui, parce que si on allait revenir à l'endroit de tout à l'heure, on aurait dû se farcir le mammouth, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et ici, donc lui, il est jaune, c'est censé être un singe normal. Comme il nous tourne le dos, c'est parfait. On l'a eu, et on a terminé le niveau. Très bien. Génial, il nous reste 5 minutes, on va pouvoir faire le petit mini-jeu. Superbe. Bon bah on aura bien avancé hein. Moi qui pensais que justement ça allait être le contraire dans cette vidéo. Bah pas du tout. On a super bien avancé. C'est parfait. Même si je cherche pas à aller extrêmement vite et tout hein. Juste que je voulais avoir un certain rythme. Une heure par vidéo. Pas en faire trop peu. Pas en faire trop non plus. Bon, je veux quand même avancer. Mais même si bon voilà j'ai dit tout au début la toute première vidéo que je prenais mon temps, qu'on n'allait pas se faire... On n'avait pas le feu aux fesses, quoi, donc c'est bon. Et pas le feu au lac. On peut prendre notre temps, et puis ça va, hein. Moi, je veux dire, mon but, c'est d'apprécier le jeu avant tout.
si on voit des pièces de spectres et tout, ben voilà, ça on les prend. Mais c'est pas pour autant que pour le moment on va se mettre à les chercher, on va fouiller dans tous les niveaux. Parce que bon, c'est quand même des grands niveaux. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, vu que ce sont des grands niveaux, et qu'il y a d'autres après, d'autres singes à attraper et tout, ça redonne en fait un second souffle au jeu une fois qu'on l'a terminé. Ça redonne un intérêt. Et pour le coup, ben, la rejouabilité, elle était complètement énorme. Surtout pour l'époque et pour ce jeu, complètement énorme, je trouve. Voilà. Surtout qu'après, je sais pas si on peut débloquer d'autres choses spécifiques. Alors, c'est où les mini-jeux? Ah, c'est là. D'autres choses spécifiques en ayant des singes supplémentaires par rapport à ce qu'il faut de base. Donc, à voir. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que... Je sais même pas si je les avais déjà fait. Ah, si, peut-être le. Du ski. Ça me dit quelque chose. On va voir. On va voir si c'est fun ou pas. À mon avis, déjà que ça, c'est la limite de l'acceptable. Enfin, la limite de l'acceptable, non, je suis... Non, 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 c'est bon comme jeu. Mais alors, s'il y a des mini-jeux dans un jeu de l'époque... Ah, ça va, c'est juste du... Oh putain, oui, d'accord, c'est... Ah oui, je me souvenais pas de ça. Mais si, mais ça me dit carrément quelque chose maintenant. Ah ouais, c'est en 2D, les trucs. Ça me fait penser à... Ça me fait penser au skin d'un jeu, justement, PS1. C'était un jeu... Alors, je sais plus du tout le nom, mais c'était un jeu de musique. Et il y avait un petit personnage comme ça qui était modélisé en 2D. Enfin, en 2D, tout plat comme ça, c'était marrant. D'accord, ouais, en fait, c'est juste du... Démarrer, match, c'est quoi? C'est qu'il y a carrément une coupe. Alors, option, un joueur, ouais. Stéréo, supprimer score, retour. Alors, on va voir, match, c'est quoi? Pas de manette analogique. Hein? Pas de manette analogique. Ah, match, mais oui, à deux joueurs, bah oui. Et j'en avais pas deux, d'accord. Sélection du personnage pour la course. Sélectionner un personnage. Eh ben, qui c'est qu'il y a? Oh, on va prendre notre bon vieux Spike, hein. 10... Ah, attends, on en est... Mince, non, je veux pas. On a les caractéristiques 10 ans, 1m35, 32 kg, coléreux. Ah, énorme, 60 ans, 1m70, 80 kg étourdi, 14 ans... Putain, 14 ans et lui, il en a 10, j'ai cru qu'ils avaient le même âge. 1m55... Ah bah oui, c'est une fille, donc forcément, il dévoile pas le poids. T'as ce sexisme. Le singe, 3 ans, 1m22, 26 kg, persécuté. Lui, 10 ans, 1m38, influençable. D'accord. Ah oui, oui, vu qu'il a été manipulé par Spectre. Mais bon, nous, on va prendre notre bon vieux Spike. Le parcours. Allez, on va s'en faire un facile. Et après, pour se faire la main. Et après, un peu plus difficile pour se lancer un petit défi. Alors... course de qualification, démarrage de course avec les positions de départ déterminées lors de l'épreuve préliminaire. Vous concurrez entre vous pour la première place. Le jeu se termine dès que les trois premiers sont arrivés. Vidéo de la course de qualification. Ah oui, d'accord, il y avait carrément une vidéo. Technique. Explication des techniques permettant de skier plus vite. Ah, ça peut être intéressant. Instruction déplace le ski droit avec le joystick. C'est coupé, là? Ah ouais, c'est coupé. Attends, mais il y a un problème, là. C'est coupé? Appuie sur rond pour... C'est coupé. C'est nul, ça. C'est pas ma télé qui a un problème. Non. Bon, c'est du suspense, en fait. Déplace le machin, donc, comme ça, pour aller plus vite, je pense. Attends, et le ski gauche avec le joystick, pousse le joystick vers l'avant pour activer les réacteurs. Là, on a des réacteurs. Incline-les vers l'autre pour rapprocher les skis. Ouais. Une bonne posture pour aller plus vite, je pense que c'est ça. Hein, des skis, baisse-toi et tu prendras de la vitesse. Ouais, je comprends pas trop. Virage sur un ski. Ah, pour tourner rapidement, active le réacteur du ski extérieur seulement et actionne le frein de ski vers l'intérieur. Ouh là là, ça me paraît compliqué, dis donc. Turbo ski, tu skis avec tes skis rapprochés. Parfois, les flammes des réacteurs deviennent bleues. Si tu continues à skier de cette façon, la flamme devient au bout d'un moment orange et la puissance des réacteurs augmente. C'est si tu skies avec tes skis rapprochés, parfois. Ah, d'accord. Bon. Bon, ouais, course de qualification, c'est parti. On va voir. Alors, pour accélérer, il accélère tout seul ou pas? Ah non. Ah non, d'accord, en fait, c'est comme dans... Ah oui, d'accord, c'est comme dans l'eau, en fait, avec
Ah ouais, on dirige avec les joysticks avant, ah ouais, vraiment tout a été fait par rapport au joystick, hein, le jeu. Hein. Ah ouais, ça va, hein, bonne maniabilité hein, pour ce que c'est. C'est sympa, vous voyez, je fais pas trop de conneries. Et puis c'est plutôt agréable en fait, la maniabilité aux deux sticks comme ça. Si je les garde droit, ça peut devenir orange, je peux gagner un peu de vitesse, c'est ça. Ah ouais, c'est bleu. Ah ouais, c'est si je les garde... Ah, c'est si je suis coordonné, en fait. Ah, j'ai fait un tour, déjà, je pense. Je suis combien? Ma position, elle est où? Ah, c'est par rapport au... Ah ouais, je suis troisième. Ah oui, on le voit là-haut. Ah, là, je vais passer deuxième. Non. Ah non, 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 d'accord. C'est par rapport au tour qu'on a. Ouais, enfin, je vois pas trop. Là, j'ai rattrapé le dernier, non? Oh putain! Là, j'ai eu un super boost. Ah, c'est sympa comme mini-jeu, quand même. Ah, c'est bon, on va juste faire, celui-là et après, on arrêtera là, pas besoin d'aller plus loin. C'était juste pour voir un petit peu quoi ça ressemblait. Puis rien nous empêchera, dans une autre vidéo, de tester un niveau un peu plus difficile. Là, j'aurais dû aller à droite pour une fois, j'ai pas été. Bon, je pense pas que ça change de grand-chose, mais... Un petit boost avant la fin, non? Non. Il y en a qui sont arrivés avant moi. Troisième. Ah ouais. Ah, c'était pas si facile en fait. Oh, wow. Ah d'accord. Bon, ok. Allez, quitter. Non, ça va, c'était sympa. Quitter. Oui, on va aller sauvegarder. Et puis on va s'arrêter là pour ce soir. C'est bien. Enfin, pour ce soir, pour moi. Moi, c'est le soir. Après, tout dépend de... Le moment de la journée à laquelle vous regardez cette vidéo. Si, bah c'était sympa. Là, je peux l'utiliser. Ah ouais, c'est bien ça. Comme ça, je peux aller plus vite. Le gros flemmard de service. Ouais, si, c'est là. Bon, bah bien sympa. On a fait toute une zone. On a fait même un niveau en plus de la prochaine zone. Comme ça, si elle est trop longue, bah comme ça, on arrivera à la finir dans les temps. Et puis voilà. Là c'est... Attends, non. 23, 0%. Je capte toujours pas. Ouais, bon. Bah... Ah oui, j'avais déjà sauvegardé. Continue la partie. Non. Voilà, bon. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est pas des vidéos qui sont faites pour être intéressantes. C'est juste pour suivre le jeu en ma compagnie. Parce qu'à la base, je voulais le faire seul. Et bon, bah, il s'est avéré que voilà, j'ai voulu capturer ça en vidéo. Et donc, eh ben écoutez, si ça vous plaît de suivre ça comme ça, tranquillou avec moi, eh ben écoutez, tant mieux. Et puis si vous vous emmerdez, eh ben passez à autre chose. Voilà. Allez, eh ben écoutez, à la. Non, pas à la prochaine. C'était rendez-vous pour la prochaine partie. Je crois que je vais m'y faire avant la fin, ça. Donc pour la quatrième partie. Retournez bien à vos occupations et ciao à tous.